Salut à tous, je suis Constance de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore sur Black Ops 4, parce que comme vous le savez, j'attends avec impatience le tout nouveau Fallout 76, mais il sort que mercredi, donc bon, pour le moment, on va rester encore sur Call of. De toute façon, j'y resterai aussi encore, même si je jouerai énormément, je pense, au nouveau Fallout, qui, j'espère, ne va pas me décevoir. Je ferai encore quand même des vidéos sur VO4. Là, pour le coup, ça fait un mois et quelques bananes qu'il est sorti, et là, je voudrais vraiment faire un gros point sur le jeu, parce que c'est vrai que, comme tous les Call of, quand ils sortent, surtout moi qui suis fan, alors oui, évidemment, chaque fois que je dis ça, je me fais lyncher, ouais, t'es un casu, tu joues à des jeux de bébé, la communauté Call of, elle vaut rien. Franchement, je joue souvent avec des potes en groupe, ou même quand je joue tout seul dans mon coin, j'ai jamais eu de soucis, hein, tout ce qui est insulte et autres, c'est vrai que j'ai déjà croisé, mais c'est pas non plus ça. Je me suis autant fait insulter ou quoi que ce soit sur d'autres jeux. Il y a pas de sur ce coup-là, Call of n'a pas le monopole de la connerie. Donc, ça fait donc un mois et quelques jours. Donc là, je voudrais vraiment faire un gros point parce que l'euphorie des premiers jours est passée. Donc, on remarque bien sûr les qualités du jeu. Parce que, ben oui, n'en déplaise à certains, il y a quelques qualités quand même sur Call of. Et aussi, il y a aussi quelques défauts, des choses qui m'agacent profondément et puis qui sont super frustrants à la longue. Donc voilà. Je reviendrai aussi sur le marché noir parce qu'il y a eu pas mal de petites évolutions. Donc comme on le voit déjà à l'écran, on voit déjà qu'il y a le double XP du marché noir. Donc pour pouvoir monter plus vite, ils se sont peut-être rendu compte que d'avoir mis 200 niveaux dans le marché noir, ça allait être super compliqué de les avoir. Moi, je suis que le level 25 et encore, je suis level 25, j'ai grugé parce que j'avais des points Call of Duty que j'ai pu appliquer. Donc ça, je vous expliquerai tout à l'heure comment ça fonctionne, pour essayer d'avancer un peu plus, parce que c'est vrai que c'est super lent. Moi, comme beaucoup d'entre vous, on a une vraie vie, hein. Bon, je sais qu'il y en a qui n'en ont pas, mais moi j'en ai une, hein, avec famille, travail et tout, donc je peux pas me permettre de jouer pendant des heures et des heures tous les jours à Call of, hein. C'est le soir, et puis c'est avec parcimonie, hein, c'est deux heures et demie à tout casser, donc j'ai pas pu monter plus que ça au marché noir. Donc déjà, on va revenir sur les points positifs. Donc là, c'est pas la peine, je vais pas vous faire des images in-game, ça sert strictement à rien, voir du gameplay. Surtout que voilà, je fais pas des trucs super ahurissants et super excitants à regarder, donc c'est pas la peine que je vous le montre. Pardon, en revanche, je vais parler des trucs qui, moi, m'agacent profondément, puis je vais faire la contrebalance, et je commence toujours par les points négatifs pour faire après la balance avec les points positifs. C'est aussi comme ça qu'on parle à une femme. Donc du coup, en point négatif, moi, ce qui m'agace, c'est évidemment que on ne puisse avoir qu'un seul spécialiste par équipe. Alors je m'explique quand je dis ça, c'est vrai que tourner comme ça, c'est pas génial. Enfin, oui, qu'en fait, moi je joue exclusivement et quasi exclusivement avec batterie. Alors pourquoi avec batterie? Non pas que dans une vie antérieure, j'aurais préféré être une femme, quoique ça aurait pu avoir ses avantages. Non, c'est surtout qu'en fait, batterie, elle a l'avantage d'avoir une grenade, parce que la grenade est accessible, mais super loin. Et en plus, si vous prenez une grenade, vous n'avez plus votre capacité de spécialiste. Donc du coup, je joue avec batterie, qui a sa grenade, et puis en équipement, bien sûr, au bout d'un certain temps, vous pouvez avoir le lance-patate de batterie. C'est pas vraiment lui que je kiffe le plus, parce que ouais, je fais souvent du tir allié, comme je vous savais très bien si vous me suivez, je joue exclusivement en hardcore. Le tir allié, ça fait mal, hein, au bout du troisième, on se fait dégager. Donc du coup, et ça j'y reviendrai aussi d'ailleurs, le tir allié. Du coup, c'est vrai que bon, le lance-patate à batterie est pas forcément utile tout le temps, surtout en hardcore, dans la mesure où quand vous balancez vos patates, vous allez partir des obstacles parce que vous soupçonnez qu'il y a un respawn ennemi au-dessus, vous balancez vos patates en l'air, et là c'est bon, c'est le drame. Donc du coup, voilà, c'est surtout pour jouer avec batterie, pour sa grenade, on va dire, comme une sorte de grenade à sous-munition. Ça explose, puis hop, il y a plein d'autres qui... Il y a plein de deux autres qui explosent. Du coup, c'est bien pour ceux qui campent dans les baraques, par les fenêtres, hop, on passe dessous, on la jette, en parlant plus, ça c'est fait. Donc c'est vrai que je joue beaucoup avec batterie, et c'est vrai que si je suis pas hyper réactif, ou si je n'ai pas la connect à ce moment-là, c'est-à-dire dès que la partie se lance, que je monte directement de trois cases pour tomber directement sur batterie, eh ben je m'assieds dessus et là, je suis obligé de prendre Seraph par défaut, parce que je joue avec les personnages féminins, ça c'est ma marque de fabrique. Je prends Seraph qui a aussi sa valise tactique qui peut être sympa. Et son Colt, là, le suppresseur, l'éradiqueur, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, c'est vraiment, j'ai pas joué avec. Et voilà, bon, je prends elle. Sinon, et quand les deux Fanana sont prises, et eh ben je me rabats sur comment il s'appelle Baird dans Call of, là, le blond, là, il y a un blond, qui balance des sacs de munitions. Ouais, bon, je prends lui parce que franchement les autres, j'ai pas grand affect avec les autres.
Même si j'ai tous essayé quand même pour voir ce que ça vaut, y compris le cheaté Ajax avec son bouclier où on peut tirer à travers. Alors lui, dès qu'il avance, c'est une locomotive, on peut plus l'arrêter. Surtout en hardcore, il est super abusé. Mais voilà, j'ai tous essayé. Ensemble, moi, je suis bien avec batterie. Et c'est vrai que, c'est psychologique, mais quand j'ai ma batterie, c'est bizarre de dire ça comme ça, quand j'ai batterie, je fais des bonnes parties. Et quand je joue avec un autre, et je fais des parties de merde. Et ça, sans compter qu'on est tellement habitué à prendre son perso que quand on est obligé de prendre l'autre par défaut, eh bien, on croit encore qu'on a cette confus là, hein, pour me suivre. On croit qu'on a donc le personnage initial, puis finalement on se retrouve à utiliser la capacité spécialiste, pensant, parce que vu que c'est un FPS, on voit juste nos mains, pensant avoir batterie, ben finalement je me retrouve avec Nomade, par exemple, hop, ben, je crois pouvoir balancer une grenade, finalement je sors une sorte de fronde et je balance un truc en colomur. Et vice versa, alors quand vous prenez deux parties, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de vous taper ce qu'on vous laisse, et là vous prenez batterie pensant que vous aviez précédemment qui pose des mines, et là vous balancez la grenade qui se colomure juste devant votre gueule, et vous faites sauter la trombine, c'est plutôt sympa. Donc il faut quand même aussi suivre quand on joue, parce que de passer toujours d'un spécialiste à un autre, et surtout quand on est contraint et forcé d'en prendre un par défaut parce que notre fétiche n'est pas dispo, voilà, ça c'est la première grogne. Donc évidemment je me suis tendu là-dessus, mais moi ça me fait grave chier ça, je suis désolé. J'aime bien avoir mon perso que je personnalise, que je pimpe à mon goût et jouer avec, parce que je suis désolé, merde, tu payes un jeu 70 boules, tu peux quand même utiliser le spécialiste que tu veux, bordel. Donc voilà, donc ça c'est la première chose, pourquoi ça m'énerve. Ça c'est dit. Alors revenons au personnage, je disais tout à l'heure de pimper, alors là aussi c'est la déception, je suis désolé, mais les camos qu'on débloque, donc il y a eu une série spéciale Halloween, plus il y en a d'autres dans le marché noir, voilà, je trouve super dégueu, autant sur BO3, alors je compare évidemment le 4 au 3, parce que pour moi, le 4, c'est ni plus qu'un 3.1. Franchement, et le marché noir était hyper complet, on avait des tenues super sympas, et qui changeaient, c'est-à-dire que là, j'ai juste l'impression qu'il y a le même, on va dire, la même modélisation 3D du perso, ils ont juste changé les skins dessus, ils sont pas emmerdés à faire une nouvelle bandoulière pour les munitions, un nouveau casque, une casquette, un bonnet, j'en sais rien, moi, une capote sur la tête, un slip, j'en sais rien, mais voilà, de changer. Là, ils ont rien fait. C'est-à-dire qu'ils sont juste contentés de mettre 4 pauvres couleurs, parce qu'il y a vraiment 4 pauvres couleurs. Je vais pas vous mentir, quand on va donc sur la personnalisation, donc voilà, donc, de batterie, les tenues, je veux dire, il y a rien quoi, c'est mort quoi, c'est là, il y a blackout, c'est super, il y a forêt gelée, tactique, brûlure, point 4 et 4, alors voilà, 4 pauvres tenues, toutes miteuses. Alors oui, on peut changer aussi sa gueule, bon, moi j'aime pas, je préfère laisser la skin, a l'air d'avoir la peau douce batterie en plus, et opérateur, voilà, c'est tout. Et les bonus que j'ai débloqués dans mes trucs d'Halloween, voilà, donc bon, et franchement il y a rien quoi, c'est le néant franchement, les mouvements n'en parlons pas, c'est voilà. Alors, si il y a celui-là que je trouve plutôt sympa, une petite danse un peu tribale, je trouve ça cool, par contre les autres, bon, c'est du déjà vu quoi, je pourrais même pas vous dire d'ailleurs. Tiens, ouais, des bonbons, typique Fortnite. C'est bon, voilà. Bon, c'est comme je pèse toujours, comme je vous dis, hein, sur les mouvements ou les. Depuis, comme il y a aussi sur Forza Horizon 4, je pèse là-dessus depuis que Fortnite est sorti. Alors, ils m'en foutent à toutes les sauces, tout le temps. Du coup, ça permet de meubler un marché noir qui est déjà pauvre. Alors, voilà, ça augmente pas le niveau. Alors, ça, c'était ma grogne sur les personnages. Maintenant, ma grogne sur les cartes, il n'y en aura qu'une. Cette fameuse carte complètement abusée où ça campe dans le tuyau. Donc, c'est une map. C'est une usine. Donc, c'est pareil. Je suis désolé, mais alors les noms, j'ai un gros problème avec les noms. Je pense qu'il faudrait que j'arrête de manger du Benko le matin. Je crois que ça me détruit les neurones. Donc, c'est une carte où il y a un tuyau de ventilation où on se planque là-dedans. Donc, c'est vrai que cette carte-là. Celle-là, je peux pas la saquer. Celle-ci est contrebande non plus. C'est des maps vraiment où je suis une bite là-dessus. Je peux pas. Je n'y arrive pas. Voilà. Donc ça, bon, je vais. Sinon, le reste des cartes est quand même pas mal. On trouve avec plaisir, je vous dis, les cartes qu'il y avait dans BO1, donc Firing Range, Jungle et Summit. C'est un vrai plaisir de les retrouver. Puis en plus, ils les ont laissées telles quelles. Donc ça, c'est vraiment bien. Ils sont pas amusés à les remasteriser comme ils ont fait dans certains. Et puis la map de BO3 Slums, qui est une de mes préférées aussi sur le jeu. Donc ça, c'est cool de ce côté-là. Bon, par contre, c'est vrai que 4 cartes sur l'ensemble qui sont du réchauffé, c'est léger. Ils auraient pu un peu plus nous en sortir des nouvelles. Bon. Dans l'ensemble, les cartes sont pas mal. Je dis, à part cette carte, l'industriel, le nom m'est complètement échappé, où il campe dans ses tuyaux en permanence. Donc, ça, c'est vraiment le plus gonflant. Alors, justement, pour parer à ces campeurs, donc, j'ai trouvé quand même pas mal de choses plutôt sympas. Voilà ma classe avec laquelle je joue.
Hein, c'est comme moi, voilà. Donc, l'arme céleste Padon, donc ça, je vais y revenir. Donc, c'est l'arme qu'on débloque au niveau 55. Or, j'ai passé mon prestige récemment, je suis niveau 20, je crois, du prestige 1. Et du coup, avec, comme dans tous les Call of dernièrement sortis, on a un jeton de déblocage permanent. Ben, je me suis payé cette arme, parce que j'adore les armes à rafale. Donc, je me suis payé cette arme-là pour pouvoir jouer avec et me faire plaisir. Durant mon premier prestige, j'ai juste terminé en fait le fusil d'assaut qui s'appelle je sais plus quoi, que je n'ai même pas déverrouillé d'ailleurs. Ah oui, c'est ridicule. Hop, voilà, fusil d'assaut, c'est celui-ci, niveau max, la VAPR, celle-là je l'ai en or, débloquée au max. Donc, mais au lieu de me taper tous les fusils d'assaut fait en or, je voulais changer un peu et tester les fusils tactiques. Or j'avais vachement aimé le Hog. Qui la BR, je crois qu'il s'appelle dans celui-ci. Et quand j'ai débloqué celui-là, je l'ai trouvé encore mieux. Franchement, elle me fait penser à la. C'était la M6 qui tirait des rafales aussi dans BO3. Bon, bref, j'adore cette arme. Donc voilà. Et là, je pense que la classe, le top pour jouer en hardcore. Alors là, pour le moment, je ne peux pas. J'ai pas débloqué le deuxième atout que j'aimerais débloquer. Mais en atout, surtout, n'oubliez pas de mettre ingénieur. Parce que je suis désolé, mais dans ce Call of, ils se sont vraiment lâchés le cul sur les saloperies qui traînent sur la map. Entre, comment il s'appelle, Tempête, qui a son petit truc qui roule, là, vous savez, qui vient vous choper, qui vous balance. Qui vous colle une ventouse sur le front, que vous devez vous dégager rapidement si vous voulez pas être paralysé de plombes. Ça roule, les RCXD, bien entendu, le putain de chien d'attaque qu'ils ont réussi à nous refoutre. Alors depuis, on avait gueulé sur Ghost que les chiens en hardcore, ils étaient complètement what the fuck, qu'on n'arrivait pas à les défoncer, il nous fallait un chargeur de batteuse pour les choper, et encore, il faut quand même être vif parce qu'ils galopent quand même. Là, c'est pareil, en hardcore, le clébard, franchement, si vous n'avez pas des balles chemisées, pour le défoncer, c'est quelque chose de coton. En plus, il ressemble à rien, ce chien, on dirait une sorte de bâtard entre un bulldog empoté, un pitbull aux nouilles, aux hormones, et un cochon, un gros verra, il ressemble à rien. Donc déjà, ensuite, ils ont rajouté donc des capacités de certains. Donc le barbelé, le truc qui fait chier même les alliés, surtout en hardcore, c'est ça, ils n'ont pas pensé. Alors je sais pas s'ils vont le mettre à jour ou pas, mais en hardcore, quand votre pote il vous pose un barbelé par terre, vous montez par exemple avec lui dans une tour, sans arrière-pensée, hein, vous montez avec lui dans une tour, vous rentrez dans une pièce, et derrière lui, à la porte d'entrée, il fout un barbelé. Alors, le problème, c'est d'accord, c'est bien le barbelé, ok, les ennemis peuvent pas passer, mais enfin nous non plus. Voilà, on peut pas passer, ça nous bloque. Si on part, on subit des dommages. Et la dernière fois que je suis passé à travers, je suis mort. Alors, soit il y a une technique, je la connais pas, mais moi à chaque fois je me fais tuer par le barbelé allié. C'est vraiment débile quoi. Donc du coup, donc les barbelés, et bien sûr aussi la sorte de mur à micro-ondes, la barricade, voilà, ça aussi. Sans compter les mines de nomades, je crois, qui tirent, comme vous étiez avec la fronde, dans les mines murales. Bref, il y a des saloperies partout sur la carte. Donc ingénieur, c'est vraiment l'indispensable. Franchement, c'est indispensable. Grâce à ça, bah, donc vous voyez toutes les mers qui sont posées. Donc c'est plutôt bien quand vous voyez un barbelé posé dans une sorte de tour, vous dites, oh là, barbelé en rouge. Moi, je soupçonne qu'il y a un mec dedans. Donc là, bah, c'est QFD. J'ai batterie, je passe dessous, je balance une grenade. Logique. C'est pareil aussi. Donc le chien sur la carte, vous savez très bien que le chien, c'est un fléau, quoi. Vous aurez du mal à vous en dépêtrer si vous a aggro direct, quoi. Donc du coup, bah, c'est bien parce que du coup, à travers les murs de la carte, même s'il est à l'autre bout, vous le voyez. Ah, ça c'est cool. Vous voyez à travers le mur, il y a un chien qui se promène. Donc vous pouvez l'éviter. Et ça va de même pour l'unité. La plus cheatée, hein, quand vous appelez l'unité de soutien, alors je sais pas quel nom elle a exactement sur celui-là, parce qu'à vrai dire, on va pas dire que ça débloque souvent, c'est l'équipe d'assaut. Alors l'équipe d'assaut en hardcore, alors laissez-moi rigoler quoi. Les mecs, ils sont intuables, vous leur tirez dans la mouille un chargeur de grosses batteuses, ils font que trébucher. Juste trébucher. Alors que eux, ils vous visent une balle, vous êtes mort. Autant vous dire qu'il y en a un qui vous a aggro, qui vous arrive vers vous, et ben, c'est même pas la peine. Alors si au lance patate, mais alors c'est encore, au lance roquette, il faut dégainer et recharger très vite, hein, parce qu'attention, ils vous loupent pas. Hein. Alors ils ont l'air un peu cons quand on les voit, on dirait qu'ils errent sur la carte, mais attention, ils font super mal, ils vous voient super loin aussi. Donc ils sont super galères en hardcore, je vous dis, c'est l'acharnement pour les tuer, hein. Faut vraiment s'y mettre à plusieurs. Et dernière chose, l'avantage donc avec ingénieur, c'est que vous les voyez à travers la carte, vous les voyez se déployer, hop, ils tombent du ciel là, comme ils parachutaient, et vous les voyez, donc du coup vous pouvez vous arranger avec ingénieur pour les éviter. Et puis d'avant, détruire toutes les autres saloperies qui traînent en chemin, bien entendu, les mines, Clément et tout ce qui traînera. Vous pourrez aussi donc du coup les désamorcer, puis même les balises de réinsertion tactique que pose Seraph, vous les voyez aussi, vous savez du coup
sur la carte où il pop. C'est plutôt pas mal. Donc vraiment, comme je vous disais, ça c'est l'atout à vraiment avoir. Parce que de toute façon, on a tout un, à part ça, le reste, pillard, en général, j'arrive toujours à mourir en tombant en panne de balle. Hein, je m'arrange pour ça. Puis on m'y aide beaucoup d'ailleurs. Donc sinon, je ramasse une arme. Armure corporelle, alors ça, ouais. Ça c'est un gag, franchement hardcore. Bon, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'ennemis qui en ont, et des fois, vu que j'ai une arme à rafale, je me fais avoir. C'est-à-dire que je tire qu'une seule rafale. Alors quand ils ont cette petite armure qui doit leur donner un truc comme genre peut-être 25-30% de vie en plus, bah avec cette petite armure, il faut des fois une deuxième rafale quand ils passent, surtout quand ils passent en courant, qu'ils prennent pas toutes les balles. Donc des fois je me fais avoir, c'est vrai. Mais enfin la plupart du temps, c'est plutôt cool. Et en plus ils nous filent plus de points ces gens-là, parce qu'ils nous filent 125 points au lieu de 100. Donc ils sont plutôt avantageux à tuer. Masque tactique, vu le peu de grenades qu'il y a et le peu de grenades flash que les gens prennent, ici ils font tous comme moi, ils prennent exactement le stimulant qui permet de se soigner en hardcore quand vous avez été victime d'Hitmarker. Ah ben voilà, ça c'est aussi le B.A.B.A. hardcore, parce que ça peut vous éviter de mourir sur la flash que vous prenez sur la gueule, parce qu'évidemment hardcore la vie est diminuée. Donc si on vous touche, vous êtes blessé, vous voyez tout rouge, en plus vous entendez le toutou, 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 tout le temps, ouais c'est super chiant. Donc là vous pouvez vous soigner, ça vous évitera que la moindre flash qui vous pète à côté vous tue quoi. Après j'utilise donc l'atout, excusez-moi, j'ai chopé la craie en plus, l'atout poids plume. Donc l'atout poids plume ça permet de se diriger, de se déplacer par exemple plus vite. Et ça, c'est indispensable parce que, ben voilà, en utilisant un fusil d'assaut, je suis un peu plus lent, donc ça, c'est indispensable. Et normalement, quand je l'ai débloqué, j'utilise en soif d'atout 2 l'atout fonceur qui permet, donc, comme je vous expliquais, le problème quand vous arrivez face à un ennemi, vous arrivez face à deux, il y a un délai entre le temps où vous arrêtez de courir et que vous pouvez tirer. Il se passe à peu près une seconde et demie. Mais grâce à fonceur, vous pouvez tirer en instantané et tirer en courant. Donc ça, c'est vraiment, ça vous sauve la vie. Et je peux vous dire que c'est un indispensable. Donc je pense même qu'au prochain prestige, je le débloquerai parce que il arrive au niveau 30. Pour moi, c'est trop loin. Et puis en dernier, bien sûr, ben, l'inévitable, l'inébranlable, l'atout fantôme. Alors attention, je vous arrête de suite. Hein. Vous dites, ouais, le mec, il joue fantôme, vas-y, c'est un campeur. Non, parce que là, l'atout fantôme fonctionne que si on se déplace. Alors je l'ai testé, hein, ce système-là. C'est vrai que moi, mon arme, comme vous voyez, donc ma espadon a un silencieux d'origine. Donc forcément, ça va avec, hein, c'est rien de fou d'un silencieux si vous n'avez pas fantôme. Donc du coup, ça fonctionne que quand on bouge. J'ai essayé, hein, il y avait un drone ennemi, j'étais statique, ben, il m'a trouvé de suite. Par contre, c'est vrai qu'en bougeant, ben, vous pouvez facilement surprendre l'ennemi, et ça c'est plutôt cool, donc vraiment un atout à avoir. Parce qu'après c'est pareil, en atout 3, à part silence de mort, si vous êtes ultra sensible des oreilles, ouais, c'est vraiment... fantôme, ça reste vraiment une valeur sûre. Voilà, et comme je vous disais tout à l'heure, le stimulant, ça n'oubliez pas. Une arme principale, moi j'ai mis trois atouts en attendant de pouvoir, un trois équipements, je suis en suréquipé, en attendant de pouvoir avoir mon atout 2 en soif d'atout 2. Et donc j'ai pris le lance-roquette qui est très utile pour détruire ces putains de barricades et barbelés ennemis, et puis les drones qui à profusion, parce que même si moi les drones ne me voient pas spécialement, ben, j'aide aussi mon équipe en les détruisant. Et puis faut être honnête, hein, 75 points le drone et 100 points le drone, l'anti-drone ou drone de brouillage. Ouais, c'est aussi pour Bibi, pour faire de l'XP, quoi, faut pas... Hein. Donc voilà. Ensuite, donc toujours dans les coups de gueule, justement, ben, ce marché noir qu'on nous a collé. Alors c'est génial, on nous a foutu un marché noir qui a quand même 200 niveaux. Depuis qu'il est sorti, moi je suis que niveau 25, et comme je vous dis, j'ai grugé, parce qu'en fait, vous voyez, avec X, on peut acheter un niveau. Niveau 25, je l'ai, niveau 26, X, on peut acheter avec des points. Bon, vous voyez, j'en ai pas. Mais donc, avec la CB, système... pour gagner un peu de cash, pour avoir des niveaux. Le problème en plus, c'est même pas ça, donc là c'est complètement random, c'est-à-dire que vous êtes obligé de passer à la caisse jusqu'au niveau de l'arme qui vous, si vous voulez une arme, de l'arme qui vous intéresse, quoi. Donc en gros, à 100 points achetés par niveau, je peux vous dire que de 25 jusqu'à 200, il y en a 175, vous calculez, ça fait donc, multiplié par 100, ça fait 1750 points. Ouais, ça fait, je pense, une bonne trentaine d'euros, quoi, pour avoir tous les goodies qu'il y a dans le marché noir. Voilà. Excusez-moi. Donc voilà, ça c'était ma grogne. Et je pense que j'ai fait le tour de ce qui me déplaisait dans ce jeu-là. Ah oui, puis ouais, ce qui me déplaît, ou ouais, c'est plutôt ce qui me dégoûte, c'est les mecs qui sont en au même niveau. Ça fait un mois pour tout le monde. J'ai quand même croisé un Prestige 8, franchement, hier. Je vois le mec Prestige 8, si je compte moi l'XP que je prends en moyenne depuis que le jeu est sorti, je suis Prestige 1 niveau 25, j'ai calculé, ça faisait une moyenne en jouant 2 heures, ouais, je vais dire je joue 8 heures par semaine, parce qu'il y a des soirs je joue pas, en jouant 8 heures, voilà, le mec il joue 12 heures par jour, quoi, pour à ce niveau-là, entre 12 et 13 heures par jour,
non-stop depuis la sortie du jeu. Alors même s'il a bénéficié de la double XP, donc ça peut peut-être descendre à 11h, je dis voilà, les mecs c'est vraiment des fous furieux. Et ceux-là, ils connaissent les maps par cœur, ils sont... j'ai l'impression qu'ils sont plus difficiles à tuer. C'est peut-être une impression que j'ai que moi, mais voilà, je le ressens, ils sont beaucoup plus durs à tuer. Oui, je regarde derrière parce que j'ai mon chat qui fait des bêtises. Et donc voilà, c'est bon, c'est juste un constat que franchement, respect, parce que franchement, pour réussir à jouer à Call of pendant 12 ou 13 heures par jour, il faut être sacrément atteint, quoi. Je veux dire, même moi, quand j'y joue 2 heures, des fois, quand j'ai la liberté de pouvoir jouer un peu plus, c'est-à-dire 3 heures, j'en ai vite marre, quoi. Je passe vite fait sur Forza Horizon 4, je vais me faire détendre à pimper une caisse ou voilà, ou m'amuser avec mes potes, parce que ça devient vite oppressant ce jeu, surtout quand vous faites des parties avec des mecs qui pratiquent l'anti-jeu, hein. Il y a toujours les fameux campeurs couchés en fond de spoon qui vous attendent avec une batteuse et une thermique. Il y a toujours cela, bien sûr, on reste quand même sur du Call of. Que serait un Call of sans ces fameux campeurs, sans forcément ceux qui ont même d'ailleurs en tag de en marque de clan sur leur arme et sur leur image de joueur, ils ont carrément le mot camp, quoi. Les mecs, ils sont là pour camper, ils sont dit chouette, un nouveau Call of, je vais sortir ma Quechua et je vais repartir camper dans un spoon. Voilà, donc il y a toujours cela. Après, il y a quand même beaucoup de points positifs, moi je trouve quand même le jeu très fluide, les armes elles sont à peu près équilibrées, je dis bien à peu près parce que les fusils à pompe c'est... Hein, donc c'est à peu près équilibré et puis je le trouve agréable à regarder, je trouve quand même qu'il est assez lumineux, les maps font envie quand je revois Jungle remasterisé, alors ils l'ont laissé tel quel, mais je veux dire avec les nouveaux effets couleurs HD et autres, ça fait vraiment plaisir de la retrouver. Voilà, dans l'ensemble c'est plaisant et puis ça reste comme je dis un bon jeu casu, un bon jeu pour Bibi, quoi. Ça veut dire que vous avez pas joué 3-4 jours, vous arrivez, bon la première partie des fois bon, vous allez un peu reprendre la main, la sensibilité extrême machin, mais sinon voilà c'est un bon jeu casu comme on les aime, c'est à dire vous prenez pas la tête, vous prenez une classe, ce même les classes par défaut sont super bien foutues sur celui-là, vous prenez une classe et vous partez au combat direct et là vous fraguez et vous faites plaisir. Ça, c'est un jeu qui sert à ça. Donc voilà, c'est aussi cette vidéo, je l'ai faite aussi pour ça, pour ceux qui disent ouais Call of c'est trop un jeu de noob ou un jeu de kikoulol. Eh ben pas forcément, hein, je veux dire, c'est aussi pour ceux qui n'ont pas que ça à foutre, comme sur BF par exemple, de passer leur vie à examiner les cartes, connaître tous les véhicules, toutes les classes, les capacités qu'ils ont, l'ingénieur, le machin, et à se vanter d'avoir tué un mec au chalumeau ou à la clé à choc. Voilà, c'est trouver les bons spots pour camper avec leur dans sniper. Et les gars, si vous voulez vraiment une vraie... Et en plus, on me dit, oui, mais c'est une simulation de guerre. Je dis, eh ben mon ami, y a pas de souci, tu veux faire la guerre, engage-toi. C'est pas la peine de la faire en jeu vidéo, puis de prendre pour un super PGM soldat, quoi. Le mec, c'est Universal Soldier derrière son écran. Alors que franchement, il veut vraiment de la simulation de guerre. Eh ben je lui dis, engage-toi, y a pas de souci, les bureaux de recrutement, hein, ils auront peut-être besoin de toi. Enfin bon, là, c'est un peu plus flippant quand même, parce que partir, on sait pas trop où, ça fait peur. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai que moi, je prends Call of parce que c'est pas un jeu qui se prend vraiment au sérieux. C'est un jeu de tir, comme un jeu de shoot, c'est un FPS, comme on a des Doom, comme on a des jeux qui se prennent pas plus au sérieux que ça, qui sont là vraiment pour se foutre sur la gueule, point barre. Alors là, il y a un petit contexte derrière, comme sur World War II, il y avait un contexte de Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas là pour être la simulation, quoi. Moi, je veux dire, Battlefield 1, ça s'est voulu simulation pendant un premier conflit. Ouais, il s'est retrouvé, les serveurs se sont mis à déserter parce que c'est super limité par la Première Guerre mondiale, je veux dire. Pourquoi pas sortir un jeu à l'époque des Cosaques, quoi, carrément. Allez, on se fait carrément on va se faire tiens ça pendant, je sais pas moi, on pourrait se faire un Battlefield Guerre de Sécession, tiens. Ce serait extraordinaire, tiens. Ce serait super varié, tiens. Bon bref, voilà, c'était vraiment pas génial. Et là, ils vont sortir BF5 qui, lui, a l'air un petit peu mieux, même s'il y a eu la super polémique autour des femmes dans l'armée. Je suis d'accord qu'il n'y en avait que du côté anglais, britannique ou du côté soviétique. Enfin bon, je veux dire, on peut aussi jouer avec n'importe qui. Voilà, faut quand même arrêter d'être trop borné histoire. Sinon, à ce moment-là, faut pas sortir un jeu vidéo qui traite de ces périodes-là, parce que les associations vont se retourner, parce que c'est l'époque où il y a eu quand même le plus grand génocide juif de l'histoire. Il faut pas sortir de jeu-là, c'est pas... Voilà, on fait pas ça. Voilà. Bon bref, je dérive là, je pars encore en couille, ça c'est normal. Donc voilà, donc c'était voilà pour mon petit bilan. Donc les choses qui énervent, je pense que je suis pas le seul. Donc dites-le moi en commentaire si vous avez la foi et la motivation d'écrire quelque chose. Mettez vite en commentaire qu'est-ce qui vous énerve vraiment sur ce Call of Duty. Et puis qu'est-ce qui vous plaît plus que ça. Donc au final, vous voyez ce que je viens de dire, il y a quand même beaucoup de négatifs pour peu de positifs. C'est vrai que le positif, c'est ce qu'on attend d'un Call of, donc c'est vrai que c'est récurrent, tous les Call of sont comme ça, la maniabilité, les bonus de série, les atouts, c'est des trucs super sympas, ça, je vais pas le reciter à chaque Call of, mais enfin, celui-là, voilà, il tartine quelques petites, il traîne quelques casseroles qui m'ennuient un peu. Donc voilà, c'était pour vous faire partager tout ça. Eh ben, écoutez, je vais vous dire à très très bientôt, donc, je pense que la prochaine fois, on va se retrouver, je compte faire une petite vidéo, très courte, du moins, comme à chaque fois, je commence très court, puis je finis très long. Ma femme aussi dit ça.
Je vais faire une vidéo sur la la PlayStation Mini ou classique qui va sortir en début décembre. Voilà, pour balancer un peu l'arnaque que ça va être. Autant, je vais pas vous en dire plus maintenant, mais autant j'ai kiffé la philosophie de Nintendo de sortir une NES et une Super NES Mini. Mais voilà, PlayStation Mini, je suis désolé, là c'est vraiment l'enfilage du siècle. Donc je vais vous en dire plus d'ailleurs dans la prochaine vidéo que je sortirai, je pense, en toute fin de semaine ou tout, ou peut-être lundi à tout casser. Voilà, et puis je vous retrouve aussi très très vite sur Fallout 76 qui sort mercredi. J'espère pouvoir y jouer en day one, ce qui m'intéresse, faut quand même télécharger, et puis bon, il faut les pépettes hein, pour l'acheter. J'espère que tout se passera bien pour que je puisse vous en faire profiter en day one, donc sur Xbox One, et puis avec mon ressenti du gros fan, donc il me tarde vraiment vraiment ce jeu, et de vous retrouver très rapidement. Voilà, je vous dis à très bientôt.